va commencer à poser nos... On va inviter Dominique à venir vivre à la maison, comme ça on va gagner du temps. Comment vais-je tuer Dominique? Je pense que Dominique va tester la piscine, lui. Voilà, la piscine pour Dominique, enfin, la fatigue pour le Père Noël. Je m'arrache les cheveux avec toutes mes sauvegardes et toi, ma pauvre. Bah, je tue des Sims, moi. Voilà, j'ai déjà tué Gunther. Un challenge où on tue des gens, ça me plaît. Ah bah, bienvenue ici, c'est cool. On en a fait un. On a eu Gunther. On va se faire Dominique et après, on tuera le Père Noël. Voilà. Je sais, c'est horrible. C'est comme ça. Heureusement que ma fille dort. Sinon, là, je pense que j'aurais eu des problèmes. Allez, on y va. Tu lui piques ses cadeaux avant? Ah bah bien sûr. Il paraît qu'il est riche. Donc je vais vite le faire emménager avant qu'il épouse quelqu'un. Oui, d'ailleurs, il faudrait que je supprime le MC Command Center. J'espère que c'est pas trop tard. Je supprimerai avant le prochain live. T'imagines, ma fille, elle se lève au moment où je dis je vais tuer le Père Noël. Là, je pense qu'elle se rendort pas avant plusieurs heures. Et je pense qu'elle me déteste. Ah, c'est le jour de l'amour. Hein? Et Elisa Pancakes. Bah bravo. Hein. Punaise. Le choc de sa vie, ouais, c'est ça. Ah oui, toutes mes condoléances. Bah viens me consoler, Dominique, s'il te plaît. J'ai besoin que... Hop, un tour au pipi encore. Ça fait, c'est pour faire plaisir à Fanny, ça. Hop. Alors, déjà, Dominique, j'aimerais bien que tu viennes vivre à la maison, s'il te plaît. Voilà. Quitte ta femme, tes enfants, ta maison et viens mourir chez moi. En parlant pipi, je dois y aller aussi. Ah bah tu vois? Alors, tu pourras me dire si t'as reçu quelque chose de la part de Nightbot sur Twitch ou... Ou email, s'il te plaît. Sur Twitch, je vois rien. Par email, oui, je sais pas. Je regarde. Oula. Ah oui, c'est normal. Je suis pas enceinte aussi. Ça, c'est toi qui vois, hein. Nous, ça nous regarde pas. Il manque une commande pipi. Allez. C'est parti. Oh bah maintenant qu'il vit à la maison, c'est finger in the nose, hein. Finger in the nose. Voilà, bienvenue chez moi. En plus, t'apportes rien. Illuminer la journée. Amour. Ah oui, non, bah là, c'est en étant triste, c'est mort. Ah, ça c'est chiant par contre. Ah voilà, énergisé, c'est mieux. Complimenter l'apparence. Tu veux pas, je crée des commandes. Bah, là tout de suite, j'ai. Ah, le travail a commencé. Là tout de suite, tu as eu quelques sous. Ah oui, j'ai eu des sous. Non, 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 bah fais pas un compliment déprimant. Viens accoucher. De toute façon, il habite ici. Hein, il a pas le choix, il va passer à la casserole comme tout le monde. Plus le choix. Et finis ta toile pendant que t'accouches, c'est normal. Voilà, ça fera un petit peu plus de sous pour acheter des choses pour le bébé. Non mais je suis triste, alors fiche-moi la paix, on va se disputer. Voilà, regarde. Illuminer la journée. Faire connaissance. Là, tout de suite, t'es comme moi, tu finis. Pas tes frères, non, c'est sûr. Tu sais, je suis comme Dory. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Bonjour, je m'appelle Dory. Et j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Bon. C'est long, 2 heures. Allez. On va pas manger un bout. On fait un peu de ménage. Va manger un petit bout. Allez. Ah ouais, elle lave. Tu lui dis va laver, elle lave un bol. C'est genre les deux autres à côté.
Je disais, bah là tout de suite, je suis un peu occupée, tu vois, je suis un peu en live. Je peux pas m'amuser à aller voir mes mails. Bon alors, à part tuer des Sims, le but c'est de faire un gosse puis de tuer. Oui, c'est ça. En fait, je dois faire 10 enfants. Et voilà. Bon, bah, comme d'habitude, hein, le plus rapide qui me donne un prénom, c'est parti pour vous. Voilà, pendant que j'explique. Donc, je dois faire 10, je dois avoir 10 grossesses avec 10 pères différents et tuer les pères à chaque fois. Non, Lisa! Un vrai prénom. Ce sera donc Tom. C'est un garçon, l'arbre en boule. Je veux bien Zoé, mais... ce sera Tom, de toutes les façons, c'est Pousse qui a gagné derrière Lisa. Mais Arbalète n'est pas un prénom. Puis en plus, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Arbalète. Alexandre a déjà réussi ailleurs. Donc, je voudrais pas copier les prénoms des autres. Monsieur Zoé, c'est ça. Et ben moi, j'aime bien Tom. Et ben ce sera Tom. Attendez, il y en a peut-être un deuxième. Hein. On sait pas. Non, a priori, c'est que un seul. Il est blanc comme un cul, hein. Il tient de son père, hein. D'où elle l'a dit en premier. Non, c'est uniquement le nom pour mon cul. Bah voilà. C'est pour ça qu'on peut pas appeler. On peut pas appeler Arbalète. Ah, c'est bien, il va s'occuper du gosse en plus. Et donc 10 enfants. Oui, pardon. Donc je dois faire 10 enfants, tuer leur père, et puis voilà, c'est déjà pas mal, c'est un peu le principe de base. Et je dois tuer leur père de 10 façons différentes aussi. Oh t'inquiète, avec le bol que j'ai, il y a quand même des chances pour que j'ai des jumeaux à un moment donné. Hein. Le nom, c'est pas le prénom. Ah c'était Arbalète, c'est le nom. Elle l'a pas donné comme prénom. Oh, bon, t'as pas bien réussi alors. Bon, monsieur... Ah oui, mais elle est triste. Ah, puis elle est folle. Oh, putain. Là, je peux rien faire, là. Si... 2 jours, putain. Va pleurer, va. Appelle SOS Amitié aussi, non? Ça marche pas. SOS Tristesse, pardon. C'est pareil. Voilà, c'est Veuve Noire version maman, oui. Voilà, c'est bon, on va faire baisser le temps, là, non? Que pendant 2 jours, triste. Sinon, on va tenter d'aller prendre une douche, peut-être. Ah, mais elle est complètement folle. Hein. Elle est folle alliée, quoi. Dis que je suis un raté. Non, t'es pas un raté, mais... Mais t'arriveras jamais à ce que quelqu'un appelle son gosse Arbalète. T'as qu'à les appeler Arbalète les tiens, aussi. Pourquoi nous? Pourquoi c'est à nous de nous sacrifier? Allez, une douche en buée, ça devrait lui changer l'état d'esprit, j'espère. Magnifique! Alors, vite avant qu'elle rechange. Prendre une pause... Ouais, peut-être un petit peu trop fort, la pole sexy, là, tout de suite. Peut-être y aller tranquillou. Complimenter l'apparence. Plus de choix, amour, draguer. Et plus de choix... non, revenir. Offrir une rose. Hop, bisous tout le monde, je vais me coucher, demain cours à 8h, à bientôt tout le monde. Gros bisous Fanny, merci d'être passée. J'ai jamais fait en santé un Sims, on dit tomber enceinte. Allez go là. Et si c'est Dominique qui propose le crack-crack? Ah ouais, c'est pas con ça. Attends, on va attendre qu'elle lui propose tout ça. Ah, pour l'instant, ça se passe bien. Il est plutôt d'accord. Ah, commence pas, Tom. On est occupé, là. S'extasier sur le ou la partenaire. Oh, que tu es belle, déception. Je suis trop fort, j'ai tué le boss. GG! Ma dernière s'appelle Héliotrope. Ah, quand même. Du coup... Non, toujours pas de crack-crack. Prendre une pause sexy. Après, il faudra s'occuper du gosse, quand même. Ça vous gêne pas. Amour. Embrasser les mains. On arrête la télé, là. Voilà. Très enjôleuse. Ils sont enjôleurs tous les deux. En tout cas, il l'a vite oublié, sa famille, hein.
Il est fidèle mes fesses, ouais. Fidèle mes fesses. Premier baiser, allez, Mazel Tov. Youhou. Et Coco est mort comme une nouille plein de fois. Oui, Mordrir, je fais le challenge des couleurs de ma vie et j'ai cherché la liste des couleurs par ordre alphabétique. Ok. Hey, le premier baiser a marché. Alors, on va... Attends, on va s'occuper de toi, 2 minutes. On est un peu occupé, là. C'était pour te sauver. Ouais, mais t'es mort, hein. Cherche pas d'excuses. Non, pas demander d'être sa petite amie. Essayez de faire un bébé. Voilà, tu viens de signer ton arrêt de mort, Dominique. Grave bien, je me demande ce que ça a donné comme couleur. Le caca et Joseph, c'est des bottes. Youpi! Il faut qu'on s'achète un placard quand même pour changer un peu du crac-crac sous la couette. C'est, sinon, c'est quand que tu vas faire le sim plus 18 ans? Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire. On va le nourrir. Alors ça, par contre, ça me stresse. Je pense qu'on va vite le faire grandir, en fait. On a le droit de faire grandir les bébés quand on veut. Je pense qu'on va vite le faire grandir parce que j'en peux plus. J'en peux plus. La pauvre, tu la prostitues. Mais non, je la prostitue pas. Elle est d'accord. Voyons. Elle est d'accord, regarde. Elle est contente, hein. Ça se passe plutôt bien. Bon, si on construisait une piscine avec des murs autour. Donc, une petite piscine, hein, on va pas la faire très grande, ça sert à rien. Voilà, nickel. Alors, attends. Non, c'était pas pour me sauver, demande à Ondine quand tu allais dans la tour tout seul, sans bien aux alentours, en nous. J'ai compris comment mettre un compteur grâce à Nightbot. GG. Bon, allez, Dominique. Voilà, c'est bien. T'as fait... Attends, remarque, on n'a pas vérifié. Oh putain. Ah oui, va quand même vérifier que t'es enceinte. Parce que si t'es pas enceinte et qu'on le tue, on n'a pas l'air con. Allez. Ouais! Magnifique! Allez, merci d'être venu. Nagez ici. Justement, j'essaye de les tuer, ces bottes de merde, c'est un tank kamikaze. J'ai envie de te dire comme tous les tanks. Hein, Les tanks de base, c'est kamikaze. Eh, hey, il est pas mal quand même, Dominique. Dommage. Dommage, tu vas mourir. Allez, vas-y, saute dans l'eau. Ouais. Hop. Maintenant, les murs. Merde, c'est les portes, ça. Ouais, ça y est, il reparle en... Ça y est, de nouveau, il... Il parle encodé. Voilà. À bientôt. Ça devrait être plus rapide que mort de faim, ça. Alors. Attends, attends. Hein, il est bien foutu, mais il a une sale tronche quand même. Et après, c'est moi qui suis difficile, vous voyez? Vous voyez un peu? Je suis quand même... Il n'y a pas que moi qui suis difficile quand même. Hein. Ouais, mais contre les bots, c'est encore pire. Je fais dans l'excès. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est une piscine couverte que j'ai fait. Hop là, c'est Montel qui fait pas de correction auto, ce fils de pute. Ah d'accord. Et merci KadumiTB pour le follow, merci beaucoup. Mais je suis hyper difficile avec les Sims. Ah ouais, c'est clair. Moi, je fais pas des bébés avec n'importe qui dans les Sims. Hein. Du coup... On va faire grandir Tom, parce que vraiment, j'ai pas envie de l'entendre chialer toute la journée. J'en peux plus. Bébé, j'aime pas. Je te ferai une commande. Alex qui décompte le nombre de conneries que je dis. Les Sims moches chez piscine, c'est ça. Les enfants qui sont moches, on les noie. C'est horrible.
allez hop, toi tu vas grandir parce que de toute façon j'ai le droit de te montrer, j'ai le droit de te grandir quand je veux. Donc on va pas se gêner et après on va devenir copine avec le Papa Noël. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il a de spécial cet enfant. Il est où? Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait fait disparaître le bébé. Alors, Tom a vieilli, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Et on va faire un enfant dynamique. Wouhou! Oh mon Dieu! Alors, on va aller se relooker un petit peu, hein, mon petit Tom. Bien que tu aies l'air pas mal. Flirter avec soi-même. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ah mais je peux pas parce que pour l'instant il est en train de grandir. Dans les Sims 1, je noyais des gosses jusqu'à avoir celui que je voulais vu qu'il y a un nombre restreint de visages et encore plus restreint de beaux. Ah mais dans les Sims 1, c'est vrai que c'était pas. Moi je téléchargeais hein, des jolis enfants et des jolis Sims. C'est horrible quand même. Cette culture de la beauté, c'est quand même horrible quand on y pense. Et après, on s'étonne qu'IRL, les gens aient des soucis. Alors. Bon. Alors. J'ai l'impression qu'il va ressembler à son père, quand même. J'ai quand même l'impression que ça sent le Gunther, hein. Ça sent le Gunther. Oui, il est mignon, quand même. Mais effectivement, tu vas avoir la tronche à ton père. Oh, dans les Sims, on a le droit. C'est pas pareil, en vrai. C'est vrai qu'en vrai, je suis un peu moins difficile que dans les Sims. Bon, bah ça, c'est pas mal. La tenue, bon, pas terrible. On va te mettre un petit jean. Et ton pyjama, parce que de toute façon, tu vas passer ta vie en pyjama. Hop. Oui, tu as une petite paupiette, quand même. Une petite paupiette. Hop. Heureusement, dans la vraie vie, t'imagines, tu croises un mec. Ah non, toi, piscine. Ah non, toi, t'es moche. c'est pas possible. Non, il est trop mignon. Il est mignon. Il ressemble à son père, mais il est mignon, ce bébé. Ah, c'est horrible. Ah non, toi, t'es trop moche. Allez, hop, à la piscine, direct. Direction la faucheuse. Non, ce serait horrible. Ce serait horrible. Bon, alors ce petit là, il faut qu'on lui achète un lit. Il faut qu'on lui achète un lit et il faut qu'on lui achète une tablette de manière à ce qu'il. Alors, il faut qu'il ait une compétence entière de complète et il faut qu'il ait deux partout, je crois. Et merci Lucie pour le follow. Merci beaucoup. Un lit de bambin. Hop là, et hop là, et un petit lit magique. Marc, c'est cher ça, non? Il y a combien celui-là? Oh, 240, ça va. On va pas faire les radins là-dessus. Hop, la tablette. Et c'est déjà pas mal. Quoi d'autre? Je suis fatiguée. N'oublie pas le pot. Merci l'arbre en boule. Merci, merci. Effectivement, j'avais oublié le pot. Qu'on va mettre dans la chambre. De toute façon, je peux le mettre d'autres. La chaise haute, j'en veux pas. Et tout le reste, ben, on va s'en passer pour l'instant. Voilà. Parce qu'il nous faut un petit peu de sous. N'oublie pas la cage à poules. La cage à poules? C'est quoi la cage à poules? Je ne sais pas ce que c'est la cage à poules. Désolée. Du coup, comme t'es dynamique, tu vas aller maximiser ton mouvement. La tête perdue. Ouais, non, mais c'est ça. Cage à poule. C'est le gros truc. Ah ouais, non, mais t'as cru que j'avais les moyens d'acheter le truc pour mettre dehors? Mais ça va pas bien, quoi. Je n'ai pas assez d'argent. Elle en peut plus. Alors, elle va prendre des restes et elle va aller dormir. Tu sais pas ce que c'est une cage à poules? Ben non, enfin, c'est une cage avec des poules dedans, tu vois, chez moi, c'est une cage à poules, quoi. C'est. Non, je sais pas ce que c'est une cage à poules.
Déjà, il faut qu'il s'estime heureux, Arbalète, il a une tablette. Alors, entre elles qui s'appellent Déception, meurt de froid. Ah bah merde, il va mourir de froid avant de mourir de noyade. Marqué, c'est pas mal, au moins c'est fait. Alors, qu'est-ce qui va le tuer en premier, le froid ou la noyade? Bah, visiblement, le froid. Donc, on va pouvoir se garder la piscine pour le prochain. Dans le prochain, j'ai dit que le Père Noël, on le faisait mourir de fatigue parce que c'est un vieux. Mais je pense qu'il va mourir de froid en premier. Bah, moi, je voulais attendre l'hiver, mais... Du coup... Allez. Bah, meurs. Ça manque d'éclairage. Dehors, tu veux dire? Bah oui, mais écoute, j'ai pas trop d'argent, moi. T'es horrible. T'avais pas remarqué encore que j'étais horrible. Pourtant, ça fait quelques semaines, quelques jours au moins que tu me côtoies. Ah bah voilà. Voilà, il est mort de froid. On est d'accord. Ouais, il est mort de froid. Donc il nous reste la piscine après. Un Dominique on the Rock. Peut-être qu'il ne peut pas mourir de froid dans l'eau puisqu'il doit geler et tomber pour ça. Bah non, regarde, il est mort de froid. Hein. Il y a bien écrit. Dominique n'aurait pas dû rester de glace face à cette température polaire. Il est en train de mourir de froid. Donc c'est bon, il nous restera la piscine. La piscine reste une option pour le quatrième papa. Bah moi si, oui, toi tu sais que je suis horrible. Ah si, ça marche quand même. La piscine, tu n'auras qu'à la faire en été. Ah oui, parce que par contre, s'il y en a un autre qui meurt de froid, ça va pas le faire. Bon, bah juste après le Père Noël, on devrait être en été. Le Père Noël la fatigue, et après ça doit être l'été, donc le quatrième, qui sera je sais pas qui, il faut qu'on le noie dans la piscine. La faucheuse, c'est une fille ou un garçon? C'est toujours pas, hein? Oh, on finira par le recroiser. En plus, après le père hiver, tu seras riche. Wouh, pour avoir une grande maison. Youhou! Une grande maison. Avec plein de chambres et tout. Faudra que j'aille la télécharger sur la galerie. Oui, non, je vais pas la faire. Non, ça, c'est sûr que non. Oh, c'est doux par terre, vous avez mis quoi? C'est le liner qui est comme ça. Oh la vache. J'ai pas suivi là, Alex. J'ai encore tué le boss. GG Romain, GG. Et on se demande qui est le meilleur. D'ailleurs, je peux voir la maison. C'est pas moi qui l'ai fait, Pousse. Tu peux la voir, mais... Mais c'est pas moi qui l'ai faite. Tu veux, tu peux l'avoir de plein jour en plus. Voilà. C'est une maison que j'ai trouvée sur la galerie. Et alors, attends. Pourquoi tu veux faire un bien avec la faucheuse? Bah pourquoi pas. Eh, hey, coucou. Ça va? J'ai eu zéro mort, je vous crotte. C'est toi la meilleure, Ondine. Je parle du cadavre dans la piscine. Pourquoi? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Hein, j'ai 17-4, t'as 4-1. C'est pas grave que tu l'aies pas faite, ouais. Ça va, tranquille, et toi? Ça va, ça va. Donc, on a tué notre deuxième victime. Et on a le deuxième bébé en route. Ça va. Par contre, j'ai vu un truc bizarre. Non, bah, c'est marrant. Et ça fait pas son taf de heal. Alors du coup, tu dois tuer la faucheuse. Ah, vu comme ça, c'est compliqué, ouais. Mais qui est heal? Ah, parce qu'il y avait un heal, c'est ça. Eh, vous avez joué ensemble ou comment ça se passe? Ou vous étiez chacun dans une partie séparée? Bon, du coup, la faucheuse, ça, on peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Présentation chaleureuse. Tu fais tes comptes au lieu de dodo. J'ai failli crever. Ensemble, on pexe le noob. Bah, on se demande qui est noob à vous de lire. Hein. C'est qui le heal et moi j'étais tank. Et en fait, vous savez pas qui est qui.
Il faut croire qu'en étant dans la même game, on peut voir les choses différentes, c'est ça? C'est ça? Du coup, c'est quoi Smite? Vous m'avez toujours pas expliqué. Bon, je leur laisse te répondre. Ils maîtrisent sûrement mieux que moi. Te sauve pas, la faucheuse. Te sauve pas, j'arrive, regarde. Ah bah non, là c'est barré. Loupé. Bon bah, ce sera pour le prochain. On se voit au prochain. On se voit au prochain mort. Bon bah, elle est barrée. Tant pis, tant pis. Bon, du coup, le père hiver. Parlons peu, mais parlons bien. Il est 12 h du matin, on va le laisser dormir. Bah, toi aussi, tu vas retourner dormir d'ailleurs. Et toi? Ah oui, le pot. Attends, 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 avant d'aller dormir. Elle est en train de parler à la faucheuse qui n'est pas là, c'est ça? Cette fille est folle, hein? Oui, c'est ça. Elle parle à la faucheuse qui n'est pas là. Mon Dieu. Je ne comprends pas. Ben, couille, quoi. Je... Ben oui, elle discute avec la faucheuse qui est visiblement pas là. Écoute, on va la laisser faire, hein. Du coup, est-ce qu'on est pote avec la faucheuse? Est-ce qu'on peut voir... On voit pas si c'est un garçon ou une fille, c'est chiant ça. Bah, c'est con. Ouais, vas-y, arrête de lui parler, de toute façon elle est pas là. Et oula. Si tu tues la faucheuse, il n'y a plus de mort, mais s'il n'y a plus de mort, la faucheuse n'est pas morte, mais si elle n'est pas morte, la mort existe. Donc, oh la vache. Comment te dire? Voilà. C'est bac de philo, vous avez 4 heures. Du coup, on a dit que tu allais lui apprendre à aller sur le pot à cet enfant, parce que là, il est en double décès, il n'en peut plus. Apprendre à aller au pot. La poule ou l'œuf? Oh non, oh non, pousse! Oh non, non, on va pas se lancer là-dedans. On n'est pas rendu, sinon. On n'est pas rendu. Du coup. Ouais, super. Elle est sur le... Ouais, non, mais c'est un vrai bug hein, qu'elle ait pas de ventre, c'est pas possible. Faut vraiment valoir que je vire le MC Command Center et que je vois comment ça se passe. Parce qu'à mon avis, il y a une couille dans le pâté, là. Voilà. Ah, dépêche-toi parce qu'elle aussi, elle a envie d'y aller aux toilettes, tu vois. Et dormir. Oula, non, pas changer la tenue. Dormir. J'ai le MCC, ça me fait pas ça dans mon jeu. Bah, je pense au MC Command Center parce que c'est la seule chose que j'ai de. Bah, j'ai même plus le truc anti-mosaïque, j'ai plus rien. Non, j'ai pas regardé tous les clips que je t'ai envoyés. Que tu m'as envoyé. J'ai pas. J'ai pas le temps. Ma vie est un enfer. Je n'ai le temps de rien faire. C'est une horreur. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de regarder les vidéos des copains. J'ai pas le temps de tourner mes propres vidéos, de faire les lives, de chasser les Pokémon. J'ai le temps de rien. Et je reprends le boulot lundi. Je vais avoir encore moins de temps. Je vais avoir encore moins de temps. Je vais jamais y arriver. Pourquoi tu pleures? Ah, t'es triste. Eh ben, c'est pas une raison. Bah si, il faudrait que j'aille voir tous les clips que vous faites là, et puis les images pourries que t'as envoyées sur Discord ce soir. Je suis pas aidée, hein. Je suis pas aidée, hein. Entre toi et Missing, vous êtes quand même très mesquin avec moi. Oh, le jour de la mûre.
Oh, 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 oh.